madame. Monsieur. Madame. Monsieur. Comment vous dire à quel point je regrette la façon dont les événements... Il n'y a rien à regretter. Les larmes que j'ai pu verser sont peu de choses comparées au bonheur que j'ai eu d'apprendre ce que vous étiez devenu. Délivrez-moi, madame. Délivrez-moi de cette souffrance qui me ronge depuis 13 ans et que le succès et les applaudissements ne parviennent pas à soulager. Accordez-moi votre pardon. Et de quoi devrais-je vous pardonner? D'avoir sauvé ma vie d'un mauvais mariage? D'avoir ouvert les yeux de mon mari et d'en avoir fait un homme repentant? De m'avoir permis de voir grandir mes petits-enfants? Soit. Je vous pardonne de tout cela. Vous savez très bien que la tragédie n'a jamais été votre faute. Séchez ces larmes. Et tâchez plutôt de me faire rire pendant les quelques heures qui me restent. La situation se prête bien peu au rire. J'en ai peur. Vous avez tort. Le malheur a des vertus comiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Comment suggérez-vous que je fasse rire de ce qui fait pleurer? Ce genre de comédie n'existe pas. Eh bien, inventez-le. J'ignorais, mais qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. Vous ne savez? Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de garder cet époux. Vous me le conseillez? Parfaitement. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus que pour le donner à votre âme. Je veux les donner pour vous plaire, madame. Moi, je le suivrai pour vous faire plaisir, monsieur. Allons, allons. C'est ce badinage. Les amants sont bien fous. Et vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez.